un vendredi de prière musulmane coïncidant avec la fête de Mouloud. Ici à la mosquée d'Aïdjedo, l'imam parle dans son prêche de la vie du prophète Mahomet, aujourd'hui à l'honneur. Qu'on soit musulman ou non, nous sommes à la veille des élections, les élections législatives. Et nous voudrions que le prophète soit un repère pour nous. Il était un dirigeant qui, à un moment donné, a perdu au cours des guerres. Il a perdu au cours des... Même il a été trahi dans sa transaction, mais il n'a pas été vindicatif. Il n'a jamais été revanchard non plus. Donc c'était un exemple. Au niveau des fidèles, le message est perçu. Se rappeler de cet homme, parler de sa vie, de son vécu, de sa biographie, de tout ce qu'il a eu à faire comme œuvre de son vivant, ce n'est pas une chose mauvaise. Au-delà d'une fête, cette journée est une journée de réflexion. C'est une journée de méditation sur la vie de ce grand homme. Je vais nommer le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Si ce grand homme, comme l'a dit l'imam, c'est un orphelin de père et de mère. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, son papa est mort lorsque sa maman portait sa grossesse de 6 mois. À cette célébration du jour de naissance du prophète, l'imam a exhorté la communauté à observer les prescriptions du Saint-Coran.